What's up tout le monde, c'est Christophe, je reviens s'il vous plaît, Breaking News. Et aujourd'hui, je vais encore vous parler d'un casque à réalité à laquelle on a pu avoir des informations et j'ai hâte enfin de vous dire un peu toutes ces petites infos qui viennent d'arriver un peu à la chaîne. Par contre, malheureusement, c'est sur PlayStation 4, sur, c'est pas que je discrimine ou que je mets vraiment à l'écart Xbox One, enfin Microsoft, c'est juste parce que pour l'instant, le casque à réalité chez Microsoft, bah on n'en entend pas trop parler. Donc, bah forcément, je vous fais un peu plus de PlayStation 4, même voir en ce moment que ça, bah parce qu'il n'y a que ça comme information. Je sais que c'est un peu, je vous ferai peut-être une vidéo de chez Microsoft, enfin pour Microsoft en fait, à laquelle il y a eu des petites choses qui pourraient nous donner un peu une petite intuition en fait finalement sur un futur casque à réalité sur la Xbox One. Forcément on devrait en retrouver une, mais c'est vrai qu'en ce moment on entend beaucoup parler pour la PlayStation 4, et d'ailleurs c'est sans faute puisqu'on a eu des petites infos. Alors comme je mets dans le titre, il s'appelle, enfin le projet s'appelle Morpheus plutôt, à mon avis ça a l'air d'être un peu plus logique si on l'intitule comme ça. Il a été présenté officiellement par Sony à la GDC, qui est la Game Developer en fait conférence 2014 cette année. Par exemple, le nom de code en fait s'appelle Morpheus, donc forcément il va peut-être pas s'appeler comme ça. Si on peut prendre un exemple du style, la Xbox One, avant le nom de code de la Xbox One était Durango. Les gens au début croyaient que la future console, c'est-à-dire celle après Xbox 360, allait s'appeler Durango. Mais non, en fait, c'est un nom de code. Et donc, il s'appelait Xbox One. Par exemple, PlayStation 4 aussi. Je crois que c'était Orbis. Si je dis pas de bêtises, c'était Orbis. On disait que la future console était serait en fait sera la PlayStation Orbis. Mais voilà, en aucun cas, ça s'est nommé comme ça. En fait, c'est PlayStation 4 ou Xbox One. Donc ça, c'est un peu la petite parenthèse. Donc, si vous voulez, c'est une vision réalité. Je vous en avais déjà parlé. En gros, c'est une sorte de casque que vous allez mettre. Donc, une sorte de boîtier, un assez gros boîtier noir que vous allez mettre comme des lunettes devant les yeux, et avec bien sûr un serre-tête blanc, un boîtier donc noir avec un petit serre-tête blanc, donc que vous mettez bien sûr un petit élastique, un bandeau en fait, enfin un élastique que vous allez mettre derrière votre tête, comme ça vous allez pouvoir l'ajuster bah, correctement pour avoir une bonne petite vision. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est un casque assez léger, c'est-à-dire que bah voilà, vous allez le porter et vous allez pouvoir faire plusieurs heures. C'est vrai qu'on pourrait se dire, bon bah ça va être trop lourd, ça peut faire mal à la tête, vous savez, un peu au niveau du cou, hein. C'est vrai que ce genre d'appareil électronique, bah ça peut être pas super super lourd, hein. Ça peut faire 2 kilos le truc. Mais quand même, ça peut prendre un peu de poids, et au bout de quelques heures bah, d'utilisation, forcément, soit l'appareil peut surchauffer, là ça sera pas le cas, heureusement. Vous imaginez un peu, vous avez vos têtes qui surchauffent avec le petit boîtier en face de vous qui est en train de faire fondre vos yeux. Bon, ça c'est un peu une exagération, mais voilà. Et puis aussi bah, le poids, hein, le poids qui peut être multiplié avec votre fatigue ou autre chose. Donc c'est vrai qu'il faut que ce soit quand même un casque très léger. L'ergonomie, elle est conçue pour une longue durée, donc tout simplement c'est ce qui a été en fait intitulé, enfin dite par Sony. Alors la qualité d'image, si vous voulez, vous allez avoir un écran en fait dans ce boîtier noir. Vous aurez limite plus besoin vraiment de votre écran d'ordinateur, que ce soit portable ou fixe, qui comporte ce petit boîtier de la Full HD, c'est-à-dire de la 1920x1080p, ce qui est franchement plus que raisonnable, hein. Ils auraient pu nous la foutre en 1080p, mais non, finalement c'est vraiment, on est dans la très très haute résolution. Attention, on n'est pas dans la 4000 pixels, hein, mais on est quand même dans une très bonne résolution, à laquelle le son 3D, tout ça, qui a été intégré. Donc en gros, si on fait un peu le calcul, pour chaque œil, on va avoir environ 960 x 1080 pixels, c'est ce que je vous ai dit, mais l'addition des deux en fait, ça fait un assemblage, c'est-à-dire qu'on retrouve la Full HD de la 1920 x 1080p. Vous avez une vision de 90 degrés, c'est-à-dire que vous pouvez tourner votre tête de droite à gauche. En gros, enfin pas correct, enfin un peu moins. C'est pas du 180 degrés, c'est la moitié, donc vous allez vraiment... C'est comme si vous regardez votre écran, si vous voulez. Voilà, vous faites un tout petit peu à gauche et puis vous regardez jusqu'à un tout petit peu à droite. Enfin, bon, je suis peut-être un peu méchant là-dessus, mais c'est comme si, je sais pas, par exemple, si vous avez un bureau en face de vous qui a une taille normale de 1 mètre et quelques, eh bien vous allez pouvoir à peu près regarder un peu toute la vision du bureau. Ce qui est aussi raisonnable, tout en sachant que il y aura une très bonne fluidité et que tout ça, ça sera en 1920p. Donc c'est pas mal. Bien sûr, la console comportera bien sûr des capteurs de mouvement en fait, puisque la PlayStation 4 a une caméra, hein, la PlayStation Eye, à laquelle elle va aider en fait le logiciel à se localiser. Enfin bref, c'est vraiment une aide aussi supplémentaire pour pas que lorsque vous allez tourner votre tête à droite,
dans le jeu, vous prenez 3 secondes pour tourner la tête à droite. S'il y a un décalage, ça va être très désagréable. Le jeu sera invivable. En fait, on n'aura même pas envie de jouer au jeu. Donc c'est vrai que pour ce genre de technologie, c'est super cool. Mais forcément, à côté aussi, il faut que ce soit vraiment parfait. Alors bon, il peut y avoir des petits coups de bug. Mais voilà, faut pas que ça dérange. Souvent, les gamers sont très rageux. Et donc, dès que ça commence à laguer, tout ça, oh putain, ça lague, on commence à hurler devant l'écran. Donc il y aura des démonstrations sur... Enfin, il y a eu des démonstrations et des futures démonstrations, des démos, tout ça, sur des jeux tels que EVE Online, The Castle, etc., etc. Vous pouvez aussi additionner la PlayStation Move, qui est tout simplement une sorte de Wiimote, un peu quelque part, hein, mais sauf sur PlayStation 4, avec, vous savez, la petite boule, là, c'est assez drôle, là, qui s'illumine un peu dans plusieurs couleurs. Donc en gros, ça fait quand même, ça fait pas mal de choses associées, telles que finalement la PlayStation Eye, la PlayStation Move. Et ainsi que avec cet appareil-là, Morpheus, qui doit se prononcer comme ça, je l'espère en tout cas. Voilà, merci pour tout les gens. Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir, surtout de me suivre sur ma page Facebook personnelle. Dites-moi ce que vous en pensez, tout ça dans la barre des commentaires. Moi, je pense que c'est une très bonne idée, tant que ça respecte un peu, quand même, un peu le côté parfait. Malheureusement, c'est vrai que ça a l'air d'être très compliqué, mais en tout cas, ils ont l'air un peu pas d'associer un peu tout. Et puis, ce genre de choses, bah, c'est la première fois quand même que ça sort. Enfin, je sais qu'il y a déjà des appareils de ce style là, mais attention, là c'est sur les next generation de consoles. Normalement, on devrait se retrouver avec une meilleure qualité. Le prix pour l'instant, il n'y a pas d'info. Voilà, merci pour tout les gens. Puis je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, peace out.